Une femme est définie comme l'être plus spécifiquement d'âge adulte qui, dans l'espèce humaine, appartient au sexe ou au genre féminin par opposition à l'homme. Avant la puberté, au stade infantile, elle porte le nom de fille. Mais une femme n'est pas ça. Une femme est faible, elle ne vaut rien seule. Elle craint le pire, tout le temps. Une femme n'est là que pour, au final, satisfaire les plaisirs bestiaux et violents de l'homme, et rien d'autre. La femme est un corps amovible qui se trémousse dans la rue, et qui s'étonne par la suite de subir des agressions. Quel piteux état. Une femme, au grand jamais, n'est l'avenir de l'homme. Elle est plutôt sa perte, et ça, assurément. Le mot « couple » désigne généralement une paire de choses qui, ensemble, constituent une entité nouvelle avec des propriétés spécifiques. Encore une fois, le couple n'est pas ça. Le couple n'est qu'une relation de paraître, un accord faux et vil qui n'est valable que si les deux membres ne sont pas naïfs. Un couple est quelque chose d'inutile, de mauvais, qui enferme, qui, finalement, rend l'un des membres agressif, prêt à tout pour retrouver la liberté qu'il a laissée pour avoir, dit-on, la chance d'avoir quelqu'un dans son lit. Le couple, ce n'est qu'une arnaque moderne pour enfermer les gens dans une prison supplémentaire.
fait depuis que t'as vu Manhattan, Manhattan, Manhattan. Mélange à subtil Manhattan, Manhattan, Manhattan. D'allégresse de spleen Manhattan, Manhattan, ça détonne. Dans mon corps en deux sérames d'âme, de plus de 50 états d'âme. Tandis qu'au plaisir je m'abandonne, coule mes larmes dans le sun. J'ai le car building Manhattan, Manhattan. Notre ami dictionnaire définit le meurtre comme le fait de tuer volontairement quelqu'un, de mettre fin à la vie d'une personne en le décidant de façon spontanée ou en le prévoyant. Le meurtre est pour moi une idée attirante, qui excite, qui fascine et qui est de loin d'être vraiment mal. Le meurtre libère, il permet d'évacuer toutes les pressions qu'on a accumulées. Le meurtre aussi n'est jamais un sursaut musculaire, une envie soudaine, quelque chose d'incontrôlé. Le meurtre est toujours contrôlé, réfléchi, mais surtout savouré. Manhattan, Manhattan. J'ai le cœur beating Manhattan, Manhattan, Manhattan. Fais de pic d'abîme Manhattan, Manhattan, Manhattan. Voilà une définition très singulière. L'homme est un être appartenant à l'espèce animale la plus développée, sans considération de sexe. Mammifère de l'ordre des primates, seule espèce vivante des hominidés, caractérisée par son cerveau volumineux, sa station verticale, ses mains préhensibles et par une intelligence douée de facultés d'abstraction, de généralisation, est capable d'engendrer le langage articulé. Mais en fait, l'homme n'est rien d'autre qu'un être horrible, méchant, macabre, orgueilleux, violent de nature et sarcastique. Il se couvre de compliments pour cacher ce qu'il est vraiment, un être cupide, personnel, fourbe, vil, et tant d'autres mots que sa propre littérature veut montrer, mais qu'elle dilue par des mots qui font passer la pommade. L'homme ne vaut pas mieux que la femme, il est même pire. L'homme a perdu sa pureté dès qu'il a commencé à penser à ce qu'il pourrait faire de pire pour le plaisir à l'autre. Le spectateur est celui ou celle qui regarde, qui contemple un événement, un incident, le déroulement d'une action dont il est le témoin oculaire. Le spectateur est sans doute le pire. Vous êtes là, immobile devant votre écran, attendant impassiblement qu'il se passe quelque chose. Vos yeux sont remplis d'une telle avidité de savoir que vous êtes prêt à tout pour voir jusqu'où l'histoire va aller,
jusqu'où ce spectacle peut-il oser aller ? Et vous ne faites rien, pardi, il ne faudrait pas que cela s'arrête. Vous êtes arrivé au moment où la souffrance des autres ne vous suffit plus. Il vous a fallu le spectacle. J'ai le cœur building Manhattan, 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 fait le big tabim Manhattan, 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 mélange subtil Manhattan, 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 d'allégresse de spleen Manhattan, Manhattan, ça détonne dans mon corps en deux sérames d'âme. De plus de 50 états d'âme, tandis qu'au plaisir je m'abandonne, coule mes larmes dans le somme.